Chers amis, bonjour. Romain Pitot l'a dit, son équipe évidemment le pense. Pour aussi réconfortante ait-elle été, la victoire à Auxerre ne doit pas nous bercer plus que ça d'illusions parce que la situation reste précaire. Mais cette victoire en Bourgogne aura au moins eu le mérite de nous offrir un appréciable matelas de 5 points sur les premiers relégables avant la venue des Parisiens à la Mosson ce mercredi soir. Alors on va pas s'étendre sur les difficultés qui nous attendent, parce que bien sûr, affronter le Paris Saint-Germain, c'est toujours un obstacle de taille et c'est toujours un amoncellement de soucis en amont de la partie. Non, peut-être pas parler des heures sur ce qui nous attend face à Paris, plus que de se préoccuper de ce qu'il va se passer ailleurs. Parce que, je vous l'ai dit, nous comptons 5 points d'avance sur le Racing Club de Strasbourg, actuellement premier relégable, mais entre ces deux formations, Montpellier et les Alsaciens, il y a Troyes qui va se déplacer à Toulouse, il y a Brest qui se déplace à Lyon, et donc les Strasbourgeois qui vont se déplacer à Rennes. Donc, à l'évidence, notre soirée de mercredi face au Paris Saint-Germain ne sera pas le tout repos, mais la tâche des adversaires de bas de tableau ne sera pas plus simple. Dans ces conditions, parce qu'il faut bien l'avoir à l'esprit, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Les rapports de force ne sont pas aussi favorables à nos couleurs face à la formation du Paris Saint-Germain. Mais après tout, ma foi, le principe de la surprise, c'est qu'elle est inattendue. Et nous n'attendons pas une raclée de notre équipe face au Paris Saint-Germain, tout juste qu'elle donne le maximum d'elle-même, comme elle l'a fait en Bourgogne. Voilà, on verra ensuite. L'heure viendra de faire les comptes. Chacun a sa chance. Au coup d'envoi, le match contre le Paris Saint-Germain, c'est ce mercredi soir, à partir de 21h, à suivre, si vous n'êtes pas au stade, bien sûr, sur tous nos supports sociaux, YouTube, Twitch et le Facebook Live du MHSC. À mercredi soir.